Bienvenue à toutes et tous pour ce rendez-vous dans l'intimité d'une œuvre autour des dessins de vitraux de Jeanne d'Arc par Alexandre Grelet. Réalisé pour le compte de l'atelier Bazin, manufacture de vitraux peints du Ménil-Saint-Firmin dans l'Oise, ils sont exposés lors du concours des vitraux de la cathédrale d'Orléans en 1879. Voici l'édifice en cette deuxième moitié du XIXe siècle. Les dessins qui vont vous être présentés font partie de la collection du Centre Jeanne d'Arc, située dans les étages de la maison de Jeanne d'Arc à Orléans. Reconnu sur le plan international, ce centre de recherche spécialisé, ouvert depuis 1974 aux chercheurs comme aux curieux, rassemble tout type de production autour du personnage de Jeanne d'Arc depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, complété par un fonds sur la période des XIVe et XVe siècles. Parmi la multitude de documents et objets dont vous avez un aperçu ici, le centre possède des maquettes et cartons de vitraux pour divers projets de décoration, pour certains très aboutis, comme vous en voyez un exemple en bas à droite avec ce très beau et imposant carton d'Henri Morin pour une série de vitraux réalisés par Chappé et Échivard pour la cathédrale du Mans dans les années 30. Ces œuvres à part entière, tout à fait intéressantes sur le plan iconographique et pourtant souvent perçues comme purement préparatoires à l'exécution de l'œuvre en verre, sont d'autant plus précieuses qu'elles ont eu tendance à disparaître si aucune suite n'était donnée au projet, ou une fois le vitrail exécuté, et ceci pour des raisons très diverses, fonds d'atelier éparpillés ou détruits, suite à la fermeture des manufactures, aux dégâts causés par animaux et insectes, intempéries, eau, feu, sans oublier les guerres. Ces dessins ou cartons sont donc souvent des rescapés. Leurs conditions de conservation n'ont pas été optimales. On constate des salissures, des déchirures, des manques et même des traces de pattes de chat ici au verso d'un dessin. Retrouver ces pièces, dont l'origine, les auteurs et les commanditaires sont rarement mentionnés, relève d'une véritable enquête et ou parfois du hasard d'une vente, comme ce fut le cas pour les dessins de Grelet dont l'histoire a pu être en partie reconstituée et que je vous livre aujourd'hui. C'est dans le contexte d'un élan patriotique et religieux pour Jeanne d'Arc, en ce dernier quart du XIXe siècle, Jeanne symbolise les provinces perdues suite au conflit de 1870 et sa procédure de canonisation est entamée en 1874, qu'une souscription nationale est lancée en juillet 1878 à l'initiative de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, afin de financer un programme de décoration en vitrail pour célébrer l'héroïne. Il s'agit de promouvoir plus activement encore sa candidature à la sainteté. L'évêque encourage depuis plusieurs années le culte de la Pucelle, comme ses panégyriques de 1855 et 1869, discours prononcés dans la cathédrale lors des fêtes commémoratives, le laissaient transparaître. Cet appel à la France pour les vitraux de Jeanne d'Arc est diffusé largement dans la semaine religieuse des diocèses et par voie de presse générale. L'évêque y mentionne la dernière œuvre d'art en date, la célébrant à Orléans. La statue équestre de Jeanne d'Arc, par Denis Foyatier, sur la place du Mar III, inaugurée en 1855, très admirée, qui la représente en guerrière. Puis il ajoute « Mais une autre pensée nous travaille. Cette cathédrale d'Orléans, où Jeanne d'Arc est venue s'agenouiller avant et après la victoire, n'a plus rien, absolument rien, qui la rappelle. N'est-ce pas là un regrettable oubli ? Nous avons voulu le réparer. Et ?» Remarquant que les grandes et belles verrières blanches qui vont du transept au portail offrent des pages magnifiques pour y écrire l'histoire de Jeanne d'Arc, nous avons résolu d'en profiter et de faire étinceler là, en superbes vitraux, toute cette merveilleuse histoire. 10 grandes verrières sont en effet disponibles dans la nef de la cathédrale, collatéraux, nord et sud, pour y retracer la vie de Jeanne. Éloignée du chœur, lieu des dévotions officielles, elles conviennent particulièrement pour la faire figurer dans des scènes historiques auxquelles sa représentation peut prétendre à ce moment, puisqu'elle n'est pas encore sainte. Cet emplacement sera d'ailleurs approuvé par le ministre des Cultes lorsque soumis par l'évêque. Il n'existe nulle part de cycle de vitraux relatant sa vie de manière si développée. Pour ce projet d'ampleur, Mgr Dupanloup propose que soit organisé un concours ouvert à tous les artistes et peintres verriers de France. Dès le 23 juillet 1878, l'atelier Bazin demande des renseignements pour concourir. L'équipe Grelet-Bazin comptera parmi les 13 retenus pour exposer leur projet l'année suivante. Vous avez ici un aperçu des dessins de Grelet
et leur verrière correspondante in situ. Pour comprendre ce choix de vitrail comme œuvre artistique, il convient de revenir en quelques mots sur sa place au XIXe siècle, car il connaît alors une renaissance. Au début du XIXe siècle, les lieux de culte sont mis à disposition du clergé, qui doit, par l'intermédiaire des fabriques, en assurer l'entretien et les décorations. Le vitrail, délaissé depuis le milieu du XVIIe siècle, les baies aux vitreries incolores sont progressivement remplacées par du vitrail coloré à l'iconographie choisie, comme le souhaite Monseigneur Dupont-Loup pour la cathédrale d'Orléans. La décoration demeure cadrée et soumise à l'accord du ministère des Cultes avant toute exécution. Le type de vitrail alors fortement recommandé est de style néo-gothique, que plébiscite Monseigneur Dupont-Loup. La production de vitrail est donc relancée depuis les années 1820-1830 pour répondre aux campagnes de restauration et de construction d'églises. À cette époque, les peintres verriers suivent leur apprentissage majoritairement dans les manufactures de Sèvres et de Choisy et sont formés auprès de grands maîtres de la peinture comme Ingres, Delacroix. Cantonné dans la section consacrée à la verrerie et aux cristaux, le vitrail revendique, lors des salons, une place au rang des beaux-arts. Au milieu du XIXe, il existe une cinquantaine d'ateliers, dont le nombre augmente pour répondre aux commandes croissantes. Certains s'approprient alors des procédés industriels qui se développent, pendant que d'autres utilisent des techniques anciennes qu'ils tentent de reproduire. La profession est divisée entre les peintres verriers dessinant eux-mêmes leurs compositions et ceux qui s'adjoignent des artistes cartonniers payés pour la tâche et pouvant ainsi accroître l'activité de l'atelier, ce qui est le cas de l'atelier Bazin. En février 1877, naît la Corporation des artistes et peintres verriers, acceptant pour membres uniquement les artistes sachant composer, dessiner, peindre sur verre et exécuter une verrière. En 1879, année du concours d'Orléans, on compte 215 ateliers de vitrail en France, 2 tiers en province et 1 tiers à Paris ou dans les communes avoisinantes. Ils produisent majoritairement du vitrail religieux, mais le vitrail civil tend à se développer. L'atelier Bazin est le deuxième en nombre d'employés, avec 60 personnes, après celui de Champignol, à Bar-le-Duc dans la Meuse, dont vous voyez ici un vitrail, qui en compte 2 fois plus. L'atelier Lorrain de Chartres, avec 53 personnes, est très réputé. Comme vous pouvez le voir sur la publicité de ce dernier, il sera le lauréat du concours d'Orléans de 1879. La manufacture Bazin rappelle dans l'entête de ses courriers son ancienneté, gage de sérieux et de qualité de sa production. Cette fabrique de vitraux peints est fondée en 1845 au Ménil-Saint-Firmin, dans l'Oise, par Jules Leclerc, cartonnier et peintre verrier alors âgé de 22 ans, qui assure la direction de la conception des cartons, et Gabriel Boniface Bazin, de plus de 30 ans son aîné, qui s'occupe de la direction de la verrerie. Jules Leclerc, un temps élève d'Ingres, s'inspire du style des artistes de la manufacture de Sèvres. La valeur artistique de ces vitraux est reconnue à l'exposition universelle de Londres en 1849 et celle de Paris en 1855, année où il décède prématurément à l'âge de 32 ans. Gabriel Bazin reprend alors l'ensemble de la fabrique et décide de confier les dessins des cartons à des artistes verriers de renom. Nicolas Lorrain, futur lauréat du concours d'Orléans en 1879, travaille pour lui à partir de 1856 jusqu'à son départ pour Chartres en 1863 où il installera son propre atelier. À la mort de Gabriel Bazin en 1862, ses deux fils, Julien Stéphane et Charles, reprennent ensemble l'atelier jusqu'en 1865. De 1865 à 1882, Julien Bazin s'associe à son gendre Ludovic Latteux. C'est donc ensemble avec le peintre Alexandre Grelet qu'ils répondront présents pour le concours de 1879. Découvrons maintenant le parcours d'Alexandre Grelet. Il est frère de la doctrine chrétienne sous le nom de frère Athanase, de septembre 1850 jusqu'en avril 1869. Il commence le dessin en 1854 et suit une formation de peintre d'histoire auprès des artistes Horace Vernet, Hippolyte Flandrin et Félix-Joseph Barias, ici en portrait avec une de leurs œuvres. Vernet et Flandrin réalisent également des cartons de vitraux en complément de leurs toiles. Grelet expose dans divers salons entre 1861 et 1891. Sa production
est consacré aux sujets religieux, historiques, aux portraits et aux cartons de vitraux. À partir de 1869, il dessine exclusivement pour l'atelier Bazin. Il poursuivra cette collaboration jusqu'au début du XXe siècle. En 1879, dans un courrier adressé à l'évêché d'Orléans pour faire valoir la qualité de son travail et son attachement à Bazin, il indique avoir réalisé déjà entre 800 et 1000 cartons de toutes dimensions. « Je regarde la maison du Ménil Saint-Firmin comme mienne, dit-il, l'ayant pour ainsi dire relevée par de bons cartons. » Du reste, M. Bazin se plaît à le répéter souvent. Revenons au concours et au dessin. Le 11 octobre 1878, Mgr Dupanloup décède et le projet de concours est repris par son successeur, Mgr Coulier. Son programme, légèrement remanié, est publié en 1879. Les projets doivent être rendus pour le 1er juillet au secrétariat de l'évêché d'Orléans. Comme le stipule l'article 2 du programme, les sujets représentés sur ces vitraux retraceront dans le style de l'Église XVe les actes principaux et caractéristiques de la vie religieuse et militaire de Jeanne d'Arc. Les 10 scènes succinctement décrites sont listées. En bleu ici, celles correspondant au dessin de Grelais. Les voici reprises avec l'aperçu des dessins. Première verrière, Don Rémy. Jeanne entend les premières voix du ciel. Vallée de la Meuse, maison de Jeanne d'Arc, son jardin, l'église, 1425. Deuxième verrière, vos couleurs. Jeanne à cheval partant pour se rendre auprès de Charles VII à Chinon. Février 1429. Troisième verrière, Chinon. Jeanne est présentée à la cour de Charles VII. Fin février 1429. Puis nous passons à la verrière 8, de l'autre côté de la nef. Compiègne. Jeanne est faite prisonnière devant la ville, 23 mai 1430. Et enfin, la neuvième verrière, Jeanne prisonnière dans la tour du château, à Rouen, 1430-1431. Dans toutes les compositions, les concurrents devront se conformer aux costumes et armures de l'époque, 1428-1431, ainsi qu'à l'architecture des édifices et maisons qui pourraient y figurer. Techniquement, voici les différentes parties qui constituent les verrières à partir de deux dessins de Grelais. Sur les 10 verrières du projet, 2 sont à 2 lancettes et 8 à 4 lancettes. Les verrières sont constituées de panneaux, 24 pour celles à 4 lancettes et 12 pour celles à 2. Et sont surmontées de tympans ou demi-tympans, ajourés, présentant une rose au centre, avec autour des mouchettes et des écoinçons. Comme l'article 3 le stipule, cette partie supérieure sera remplie par les emblèmes, les armoiries des compagnons de Jeanne d'Arc, des sujets allégoriques. L'ensemble verrière-tympan mesure environ 9 mètres. Et voici les consignes pour les dessins dans l'article 4. Les 10 compositions doivent être réalisées à l'échelle 1 dixième, ce qui est l'usage. Nos dessins sur leur support avec marge mesurent 94 cm, ce qui correspond au respect de l'échelle pour les verrières de 9 mètres. La dénomination carton est pour l'échelle 1-1. Ils doivent être réalisés sous la forme d'esquisses. Il s'agit en effet ici de crayons sur papier, certes rehaussés de gouache blanche, ce qui sera reproché. Esquisse exceptée pour les cartons des fenêtres 5 et 7, représentant l'assaut des tourelles à Orléans et le sacre de Charles VII à Reims, devant être lavés et coloriés, nous n'avons malheureusement pas ces scènes en couleur. Article 5. Chaque composition est sur un carton séparé, que nous distinguons bien au-delà du papier sur les bords, avec le numéro de la fenêtre inscrit en chiffres romains, ici 2, tout en haut. Le titre du sujet représenté est le nom de l'auteur, ici en partie basse, l'écriture s'est estompée. Grelais et Bazin mentionnent chacun leur nom, même si Grelais est le seul auteur des dessins. Bazin a apposé son cachet en bas de chacun. D'autres peintres verriers omettront de mentionner le nom de l'artiste, préférant celui de l'atelier pour le représenter, comme le lauréat Lorrain de Chartres avec son artiste Charles Croque, ce qui sera dénoncé. Les dessins doivent être accompagnés d'une lettre listant les ouvrages déjà exécutés. Bazin mentionne alors sa grande verrière sur des arts industriels dans la galerie du Trocadéro à l'exposition universelle de Paris réalisée l'année précédente.
Comme demandé, il donne le nom de trois personnes dont il souhaite la présence dans le jury. Monsieur Juste Liche et Louis-François Douillard, architecte de l'Inspection Générale des Monuments de Paris, et le peintre et décorateur Charles-Joseph Lamère, dont voici ici une esquisse de Jeanne d'Arc. La première exposition publique se déroule dans la grande salle de l'évêché d'Orléans à partir du 1er juillet 1878 pour 8 jours. Elle se prolongera jusqu'au 15 août. Puis une seconde à Paris pendant 15 jours dans une des salles de l'École des Beaux-Arts. Pour des problèmes d'organisation, elle se déroulera durant la première quinzaine de septembre. Le jury fera connaître ses décisions pendant le cours de l'exposition. La décision sera rendue le 4 août, ce qui mécontentera Paris, critiques et spécialistes n'ayant encore vu les projets. Le jury est composé de 9 membres, dont les architectes diocésains, architectes, peintres verriers et artistes peintres. Pour les compositions, 4 000 francs sont accordés au premier prix pour l'atelier Lorrain de Chartres, 3 000 pour le second et 2 000 pour le troisième que remportera Grelet pour Bazin, puis 500 francs pour 5 autres projets désignés par le jury. Article 11. Tous les projets primés deviendront la propriété de l'évêché, qui sera libre d'en faire tel usage qui lui conviendra. Le jury choisira ensuite pour lui confier l'exécution celui des 3 lauréats qui semblera offrir les meilleures garanties. Le projet de Bazin-Grelet ayant reçu le troisième prix fait partie de ceux qui deviennent propriété de l'évêché. Certains ateliers primés, souhaitant réutiliser leurs propres dessins pour d'autres projets, les réclameront en vain. L'article 11 était bien clair. Après la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, les dessins semblent avoir été tous vendus, comme ce fut le cas pour nos dessins, achetés par une famille d'Orléans à l'époque, et qui les a vendus à son tour au Centre Jeanne d'Arc à la fin des années 1990. Voici maintenant, dans le détail, les dessins de Grelet. Jeanne d'Arc entend les premières voix du ciel. La scène se passe à Domrémy, village natal de Jeanne d'Arc. Dans la rosace du tympan est représentée Sainte-Verte. Grelet suit les consignes en représentant la vallée de la Meuse, l'église, la maison de Jeanne d'Arc. Les constructions se détachent du ciel peint de gouache blanche. Il dessine Jeanne dans la deuxième lancette, en bergère, avec son troupeau de brebis, assise sur une souche ou un rocher, tenant une quenouille, comme elle est traditionnellement représentée au XIXe siècle. Elle lève le regard vers ses voies, positionnées derrière elle, au-dessus. L'œil suit le mouvement en arc de cercle ascendant. Ces voix sont celles de l'archange Saint-Michel, les Sainte-Catherine, qui ici tient l'épée, et Sainte-Marguerite, et des anges, sont ajoutées. Leurs auréoles sont également rehaussées de gouache blanche. Cet ensemble est en partie haute des deux lancettes centrales. Pour le journaliste René Biémont du Journal du Loiret, il est considéré comme occupant trop d'importance dans la composition, alors que pour Camille Guimont, du journal L'Illustration, cette composition est admirable par son expression et son mouvement. Le tympan présente dans sa rosace Sainte-Verte, quatrième évêque d'Orléans, au IVe siècle, bâtisseur de la cathédrale Sainte-Croix. Des armoiries des compagnons de Jeanne, plus précisément les noms de Xaintrailles et Dunois, s'inscrivent dans les mouchettes. Deuxième verrière, Jeanne à cheval, partant de Vaucouleurs, mi-février 1429. Elle a quitté sa famille et se trouve sur le chemin pour rencontrer Charles VII. Dans le demi-tympan, les mouchettes présentent les noms de Laïr, Xaintrailles, d'Ulysse et les armoiries de Jeanne. Grelet dessine Jeanne dans la deuxième lancette. Elle domine la scène du haut de son cheval. Elle est entourée de soldats. Monseigneur Dupanloup avait mentionné Jean de Metz et le sire de Baudricourt. Des femmes en bas à droite et un homme sur la gauche, tous en tenue élégante, l'admirent déjà. Monseigneur Dupanloup avait évoqué plus tôt la présence de paysans. On distingue à l'arrière une maison à encorbellement correspondant au type d'architecture demandé.
Jeanne a les cheveux courts, mais pas trop. Elle porte une armure avec une jupe, ce qui n'est pas toujours apprécié des critiques. Les rayons de gouache et les ombres ajoutent au contraste. Les esquisses demandées devaient être plus sobres. Le programme du concours mentionnant uniquement la réalisation de 10 compositions au 1 dixième, 100 grands cartons et panneaux de verre modèle, Bazin réalise tout de même, à mes risques et périls, comme il le souligne, le vitrail numéro 2 représentant cette scène du départ de vos couleurs, grandeur d'exécution en dessin et en verre. Grelet dessine donc les 10 maquettes imposées, plus le carton grandeur nature, et Charles Revel de l'atelier Bazin peint la verrière grandeur d'exécution d'après le grand carton de Grelet. Cette verrière posée dans le grand escalier de l'évêché, puis un temps dans la cathédrale, sera considérée comme une infraction matérielle aux conditions d'égalité du concours. Il n'est pas le seul à l'avoir enfreint. Toutefois, ces réalisations hors programme ont permis au public d'imaginer l'effet d'une exécution grandeur nature. Impression que seules les maquettes au 1 dixième ne pouvaient donner. Parmi les critiques, un rapprochera le style de Grelet et le traitement de ses visages d'illustrations de Deveria, peintre renommé du début du XIXe siècle, dont vous voyez ici une représentation de Marie d'Orléans et sa Jeanne d'Arc. Verrière numéro 3, Jeanne est présentée à la cour de Charles VII, fin février 1429. La scène se passe à Chinon, dans une pièce du château, où la cour est rassemblée autour de Charles VII. On distingue son dais, dans la première lancette. Les personnages principaux, Charles et Jeanne, occupent les deux lancettes centrales. Dans la rosace du tympan est présenté Saint Prosper. Charles VII est en position dominante et regarde Jeanne agenouillée, qui porte déjà l'armure et toujours une jupe. Elle lui expose sa mission, lever le siège de la ville d'Orléans et le mener à Reims pour qu'il soit couronné. Les vêtements sont tous rehaussés de gouache, particulièrement pour rendre les brillances et les transparences. La composition est équilibrée et dans l'ensemble plutôt appréciée par les critiques, excepté la remarque pertinente à y regarder de plus près, celle de René Biémont, toujours du journal du Loiret, qui remarque une Jeanne trop grande de taille. Dans la rosace du tympan, Grelet a dessiné Saint Prosper, évêque d'Orléans au 5e siècle, signalé pour ses vertus et ses lumières, tenant ici une tablette. Nous passons à la verrière 8. Jeanne faite prisonnière par les Anglais à Compiègne. La scène se déroule le 23 mai 1430, devant les murs de la ville, que l'on distingue en arrière-plan. Jeanne est encerclée de soldats, dont un tente de la déstabiliser. Un soldat à terre appelle à l'aide. Dans la rosace du tympan est présentée Sainte Eucherie. Grelet dessine dans la deuxième lancette Jeanne à cheval, levant haut son étendard, dont les détails sont de nouveau rehaussés de gouache blanche. Elle menace de son épée le soldat qui cherche à agripper sa jupe sur ou sous son armure. Le critique René Biémont dans le journal du Loiret pose la question. Pourquoi ériger toujours notre pauvre bergère en sabreur de Compiègne? Partout, cette scène se trouve mal définie. Dans cette scène, il manque la tension et la force qui devraient s'en dégager. Un des critiques la qualifie de romantique. Dans le tympan, les mouchettes présentent des décorations, mais sont vides d'emblèmes ou d'armoiries. Il semble que Grelet n'ait eu le temps de terminer cette partie. Dans la rosace figure Saint Eucherie, évêque d'Orléans, au 8e siècle, connu pour s'être opposé à Charles Martel voulant s'emparer des biens de l'Église. Grelet a dessiné pour chaque rosace des grandes verrières, des évêques différents. Monseigneur Dupanloup figurait dans le tympan de la scène du sacre de Charles VII à Reims, dont le dessin devait être colorié et qui n'est pas localisé à ce jour. Voici le dernier dessin pour la verrière 9. Jeanne en prison, à Rouen, insultée par ses juges, début 1431. La scène se déroule dans une cellule où Jeanne est prisonnière. On distingue au fond des grilles et des silhouettes de soldats.
comme pour le dessin précédent, le demi-tympan est décoré, mais vide d'emblèmes et armoiries. Jeanne figure dans la deuxième lancette, enchaînée, sur une paillasse, dans une position étrange. Trois soldats sont sur sa droite. Un la désigne en se moquant d'elle auprès de son acolyte. Le troisième assis, la menace de son poing tendu, mais les jambes croisées. Menace qui ne semble donc pas atteindre Jeanne, qui, les yeux au ciel, regarde les saintes qui lui tendent la couronne des martyrs. Les rehauts de gouache blanche accentuent cette apparition. Belle et sainte résignation, dira de cette scène Biémont du journal du Loiret. Romantique, ajoutera un autre critique. Ces dessins ont été très appréciés dans leur ensemble pour leur qualité, mais ombrés, rehaussés de gouache, au modelé trop prononcé pour des esquisses, ils attiraient plus le regard par l'enjolivement et le fini du dessin. La grande question était le rendu en vitrail pour des dessins qui se prêtaient plus à une transposition en tableau. La Maison Lorrain de Chartres remporte le concours pour les compositions et l'exécution, mais la décision invalidée par le ministre des Cultes, considérant le jury non conforme et le projet du lauréat non satisfaisant, un second concours se déroulera 14 ans plus tard, en 1893, à l'issue duquel sera décerné le prix à Jacques Galland et Esprit Gibelin pour l'exécution de la série des Verrières qui seront inaugurées en 1897 par Monseigneur Touché et que vous pouvez découvrir encore aujourd'hui dans la cathédrale.